mesdames. Voilà, bouffe. Ça va? Ça va bien? Ouais, je suis bien. J'ai fait le matériel pour les. Je pense pas que Jeanne d'Arc se limite au Rassemblement National. Nous avons, comme chaque année, voulu rendre hommage à la femme la plus connue de l'histoire de France, qui est en ces périodes de France fracturée, divisée, un symbole d'unité pour la nation, le symbole d'une héroïne, d'une chef de guerre qui a libéré la France et qui a su, même en 429 devant Paris, connaître la défaite, remonter à cheval et puis connaître la victoire et l'épopée nationale quelques années plus tard. C'est un beau symbole. Non, elle n'est pas là, ça ne vous aura pas échappé qu'elle sort d'une campagne présidentielle qui a été éprouvante et qui l'a menée à rassembler près de 13 millions de voix. Donc elle se prépare dès maintenant à cette bataille des élections législatives et je suis venu dire aux Français que le scrutin n'est pas terminé, qu'il y a un troisième tour. Ce troisième tour, ce sont les élections législatives et qu'il serait invraisemblable aujourd'hui de laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Donc moi, j'appelle les Français à la responsabilité et je les appelle surtout à aller voter. Parce qu'en vérité, le projet de saccage social qu'a porté Emmanuel Macron n'est pas une fatalité. On peut encore éviter la retraite à 65 ans, on peut encore conjurer l'explosion des taxes sur les carburants, sur l'énergie, on peut encore décider de reprendre le contrôle en matière d'immigration, mais pour ça, il faut aller voter. Il faut faire entrer un maximum de députés patriotes à l'Assemblée nationale. Nous sommes aujourd'hui la première force d'opposition. Et 13 millions de voix, c'est un socle solide, je crois, pour envisager l'avenir. Donc tout commence. Il y aura des candidats du Rassemblement National dans toutes les circonscriptions. C'est le moindre respect que nous devons à nos électeurs qui nous ont placés au second tour l'élection présidentielle. Mais il y aura des gens qui seront soutenus par le Rassemblement National et qui ont pu être par le passé aux Républicains et même certains qui ont pu s'approcher de Reconquête et qui s'en sont éloignés. Mais je pense que ces histoires d'appareils intéressent peu les Français. Moi, je veux parler aux électeurs. Je veux dire qu'aux électeurs de LR, les patriotes sincères de LR ou de Reconquête, que nous avons réuni 13 millions de voix et qu'il faut nous donner de la force aujourd'hui, qu'on partage l'essentiel. Et donc le rassemblement doit avoir lieu derrière les candidats. On est arrivé en vérité devant Éric Zemmour dans 96% des circonscriptions. Donc les Français nous ont conféré ce rôle aujourd'hui, en tout cas à Marine, d'être la leader de l'opposition, la chef de l'opposition. Mais il peut y avoir d'ailleurs au second tour, dans l'intérêt du camp national, le soutien à des candidats patriotes les mieux placés si les candidats du RN ne devraient pas être au second tour. Mais je vous rappelle que nous sommes arrivés en tout cas en tête dans près de 180 circonscriptions au second tour et que nous dépassons les 40% dans 339 circonscriptions. Donc c'est un socle puissant, important. Et je pense qu'en vérité, il est important que Emmanuel Macron ne soit pas seul pendant 5 ans à l'Assemblée nationale et qu'il y ait des députés d'opposition qui puissent défendre la France et protéger les Français de la politique très dure que va conduire Emmanuel Macron. Et on prépare toujours l'échéance suivante. J'ai l'occasion de rappeler que si on prenait 10 millions de voix tous les 5 ans, comme c'est le cas, a priori la prochaine fois sera la bonne. On a fait un travail important pour aller rassurer, pour convaincre les Français, pour élargir aussi le socle du Rassemblement National. Donc tout ça est un socle prometteur, je crois, pour la suite et pour l'avenir. Je note qu'il y a des conflits qui parfois intéressent un peu moins l'opinion et je le déplore. Nous avons beaucoup parlé du Haut-Karabakh, que nous avons défendu au Parlement européen et nous allons continuer à le faire. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Tu repars avec moi ? Bon, merci beaucoup. À la prochaine. Voilà. Merci. À bientôt. Bon courage, hein, bon courage. Hop là. Enfin, je dois gérer. Ah, attends. C'est région par région. Bon, vous êtes beau, souriez-moi.
Je sais pas comment ça va. Ah, c'est un peu. 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 Ah, c'est un